Voilà. Bonjour YouTube. Comment ça va? Aujourd'hui nous allons continuer. C'est quoi ce bruit? Aujourd'hui nous allons continuer. Le let's play. Vas-y, je veux te voir écrire bonjour YouTube. Donc, j'ai continué la petite série des dresseurs qu'il y avait là sur la route, histoire de zapper parce que bon, c'est pas forcément intéressant à regarder dans le let's play. Du coup, j'ai zappé tout ça et on atterrit directement à la ville du coup. Et je sais juste que j'ai un truc à récupérer. Alors c'est pas là. Là elle me donne rien. Qu'est-ce que c'était? Je sais plus à quel endroit c'était. Non, c'est pas toi. C'était qui? Ah, t'es au centre. Bonjour YouTube. C'est bien. Sinon ça va toi? Je t'ai même pas demandé. Ah, yes. Deux fossiles dragons. Et il m'a donné que deux. Il m'a donné deux dragons. Ah ouais. Il m'a pas donné. Sur ma partie perso, il m'avait donné un fossile poisson et un fossile dragon. Fallait juste aller le faire renaître, revivre. Comme ça, vous admirez ces superbes statues de Topiqueur. Ouais, toi, ben moi ça va nickel, toujours complètement enrhumé, ça me saoule. Mais sinon, ça va. Ah oui, je vais te montrer du coup, mince, celui que je voulais attraper pour justement le champion d'arène. Parce que je crois que j'allais devoir en attraper d'autres parce que j'arrive pas à en trouver. Voilà, c'est celui-là. Bibichute. Et il s'attrape là dans la région là des. Après, j'ai regardé que ici, là, vraiment en haut des terres sauvages. Ah, il y a le temps aussi, d'accord. J'ai pas fait gaffe que fallait faire gaffe au temps. Alors ça c'est quoi? Ça c'est juste nuageux? Faut que ce soit juste nuageux là? Si je comprends bien. Il est chaud. Ouais il est chaud puis il a l'air badass. J'ai déjà vu sa première évolution, il a l'air assez badass. Alors, oui, toi. Mais donne. Ah non, il me faut un autre fossile. Ok. C'est pas grave. Ce que je vais faire. On va juste retourner voir vite fait. Mince. Vite fait dans les terres sauvages, voir s'il y a le ciel brumeux. Pour essayer d'en attraper un. Mince, mais qu'est-ce que je fais? Si on n'a pas, c'est pas grave, on continue l'aventure. On va juste aller jeter un oeil. Alors ce que je sais pas, c'est si le temps change rapidement dans le jeu ou pas. Alors là il fait jour donc je suppose que je peux pas attraper. Là ça change pas. Ouais, là, il fait grand jour. Tu renommes Killer Gwen. Hop là, non. Mais tout là, il fait jour, donc il sera pas là. Allez, voir sur le côté là-bas. On a vu là, c'est dans cette zone, il faut que le temps change. À mon avis, c'est ça. Là, si je vais plus sur le côté, voilà, le temps change pas. Ça, c'était pareil. Ça reste pareil. C'est con. Ok. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais, mais non, parce que j'ai pas envie d'avoir lui. Tant pis, c'est pas grave. On va aller ailleurs. On va aller continuer l'aventure. Voilà. Ça commence à faire sombre là par contre, on va peut-être allumer la lumière. Ah, attends. Forcément ça bougeait.
te plaît. Voilà. Et là. Ok. Hop là. Donc, on va continuer l'aventure. C'est pas grave. Olia. Je sais toujours pas trop quoi faire par rapport à mon frangin. Tu sais, le fait que ça l'affiche mal pour lui si je suis tout nul. Mais je me suis dit aussi que c'est pas en me prenant la tête que je vais arranger les choses. Il faut que je tente d'autres tactiques. J'aimerais bien tester un truc. T'as le temps pour un duel? Allez, go. Les mecs, ils se prennent le bourrichon juste parce qu'il a perdu une seule fois. Il y a un Pokémon que je veux que tu le captures. Ah bon? Lequel? Lequel? Dis-moi. Équipe, on va changer. On va prendre tant qu'à mort. Un nouveau? Ou un ancien? Parce que moi, pour l'instant, je prends que les nouveaux. Bon, forcément, il faudra que je les ai tous, mais... Ok, merci pour l'attaque Fury. Je connais pas son nom, attends. C'est... Il est de quel type? Ça doit être un nouveau, je pense. Oh, il a souffert. Oh, il a souffert. Coup de boule. Qui a pro coup de boule? La pyro. On va t'enlever vive attaque, je pense, ouais. Notif, non merci. Dinaja, on va changer. On va prendre Badabour. On va lui faire air d'herbe. Boom. One shot. Et Toxizap, on va changer aussi et on va balancer Torgamor aussi. De toute façon, Toxizap il est super simple à tuer en fait. Bah, une deuxième attaque comme ça, puis c'est bon. C'est quoi ça? Ok. Bon, on va faire Pistoléo. T'arrives à trouver son nom du coup ou pas? Ah oui, d'accord. Toujours pas KO. Il chatouille. Et voilà. Il s'est fait éclater. Il veut changer pour Arrosar. Et ben on va changer, on va prendre Badabouin. Alors, on va faire air d'herbe.
Bon, bah d'abord un 3 niveau de moins, mais normalement ça va le faire. Bon, c'est pas avec Vibraquois qui va être KO. Sauf s'il me rend confus. Là, ce sera plus embêtant. Du coup, tu arrives à le trouver ou pas? Et voilà, il est KO. Il s'est fait destroy. Oh, attention les gens, Toxiziap monte de niveau. Il va évoluer. Vous allez voir, il est trop stylé. Roulement tambour. Toxiziap évolue. Et là, il va tout destroy. Oh! Il a pas du tout la même forme? Oh! Oh! Alors faut savoir qu'en fait, je l'ai Salarsan. Je l'ai. Mais dans ma partie privée. Mais il est pas du tout pareil. Il a une grosse crête jaune. Oh! Son organe générant d'électricité se trouve sur son torse. Quand il est actif, il émet un son semblable à celui d'une basse. Il est pas du tout pareil. Étincelle, bah évidemment, je t'apprends étincelle. On va t'enlever ton rugissement là, c'est nul. Ah, je préfère quand même en jaune. En fait, au lieu que sa crête et son ventre soit bleu, c'est... Non, non, il est pas chenille. En fait, il est jaune. Lui, il a deux crêtes, alors que celui que je connais, il en a... Enfin, que j'avais, il en a qu'une. Attends, je vais te montrer. Comment il s'appelle déjà, Solarsan? Non, c'est un E. Image... alors, je vais te montrer. Je vais prendre les deux images comme ça je vais te faire voir. Mince. Enregistrer l'image. Je vais te faire voir, ça sera plus simple. Enregistrer l'image sous. Ok. Alors, je vais te faire voir. Je serais curieux de voir comment il est en chenille par contre. Alors. Je vais te montrer comment je l'avais avant. Voilà, avant je l'avais comme ça. Dans la partie perso, il est comme ça en fait. Donc tu vois, il est totalement différent. Ah, pourquoi je peux pas le supprimer? Voilà. Oui. Toi aussi, du coup, tu vas jarter. Supprimer. Image, ajouter. Bon, par contre, du coup, l'image que je t'ai montrée, c'est pas très net, mais on voit à peu près. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. J'ai fail. Attends. Image. Voilà. Parcourir. Hop là, voilà. Du coup voilà, à quoi il ressemble maintenant. Encore désolé si je passe mon temps à moucher. J'ai essayé de modifier la composition de mon équipe pour en tirer le max, mais ça marche bof. Je sais pas, il me manque encore un truc, faut croire. Le talent, mon gars. Mais je te jure, Tarak, c'est mon héros. Je supporte pas l'idée de lui faire honte. Donc je vais m'accrocher, hors de question que je baisse les bras. Si ce compo d'équipe marche pas pour moi, pas grave, je vais chercher d'autres Pokémon et tenter d'autres trucs. Ah, le retour de la reine d'Angleterre. Il réfléchit trop, ce petit.
Les challengers se battent pour eux-mêmes et pour leurs équipes. Le reste des sottises qui se concentrent un peu là-dessus au lieu de croire qu'il va souiller la réputation de son frère en perdant un combat ou deux. Ah, les jeunes et leur nombrilisme. Enfin, merci pour le spectacle, ça m'a changé les idées. Tiens. Alistair. Phil, le sale Dolchester t'attend. Tâche de profiter du défi sans te triturer les méninges. Je pense qu'elle elle va être badass. Elle va être dure à tuer. À battre, je pense. Alors, je suppose qu'il faut que j'aille les soigner maintenant. Voilà. Forcément. Toi, tu donnes un truc ou pas, toi? Là, c'était vol. Ça, c'est cool. Ok. On va aller soigner, puis on va aller s'attaquer à la reine. Avant de se faire destroy par le champion. Parce que, punaise, ouais, hier. Perdu deux fois avant de réussir à le battre. Ah oui, Mogrem, alors. Il disait il est type feu et ténèbres. Mogrem. Mogrem, c'est pas l'évolution de. Attends. C'est pas l'évolution de Vagomine. Si c'est l'évolution de Vagomine, oui, je l'ai déjà vu. Mais par contre, je croyais que c'était juste roche et feu. Sinon, Mogrem, non, je l'ai pas vu. Pas encore. Et si je l'ai pas vu, je le verrai. Je veux pas le voir tout de suite. Pour pas me faire spoil. Je le verrai au moment venu. Ça va là. Ah, mais ils vont tellement se faire destroy vu leur niveau. Strictoplasma, il est niveau 36. Non, c'est pas lui. Bon, ben non, je l'ai pas encore vu alors. Est-ce que c'est agréable de m'entendre me moucher les gens? Vous aimez ça? Parce que moi j'aime bien vous faire écouter comment je me mouche. Je trouve ça très agréable. Ça notre trop BG malgré son corps de lâche. Ah ouais? Du coup. Qu'est-ce que j'ai eu? La vol, ok, c'est quoi que j'ai eu? C'est pure mystérieux. Pour en faire évoluer un certain Pokémon, il a abîmé mon. Ah ok, je sais c'est lequel. Je suis là quand je le. Quand tu le vois. Je spam. Ça me dérange pas. Ok. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Je peux pas passer? Ok. Ouais, donc en gros, ouais, je vais faire destroy. Même avec les dresseurs qui sont juste avant, je vais me faire destroy. J'hésite à aller chercher un type psy là-bas. Un Ponyta, genre. Parce que je vais vraiment me faire éclater, en fait. Dans mon autre partie, j'avais de la chance parce que j'avais l'évolution du renard qui était haut niveau, qui était quasiment au niveau 40. Et du coup, quand je faisais les attaques ténèbres, ça lui faisait hyper mal. Du coup, ça m'arrangeait bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de me le faire comme ça? Ou je vais capturer un Ponyta. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas le système de échange réseau. Ah non, il n'y a plus le système de GTS. Ah, c'est dommage, ils ont enlevé ça. Ah, le Torgamore qui est Gigamax. Ils l'ont battu. Fais l'arène, tu up en même temps de l'XP. Ouais, mais je te dis, ça va pas monter assez. Hein. Je vais me faire éclater. Hein. Hier, enfin, quand je les ai fait, mes Poké, ils étaient niveau 34-35. Son plus haut est niveau 36. Son Ectoplasma, il m'a démonté. Hein. À la limite, je peux faire les dresseurs. Puis ensuite, je peux aller en attraper un. Parce que je t'ai dit, je me suis fait destroy hier, j'ai rien compris à ce qui s'est passé.
Non, on va aller faire les dresseurs avant. En tout cas, merci de rester. C'est bien plus cool comme ça de faire des lives, puis d'avoir du monde. C'est un peu le principe des lives en fait, de partager avec les viewers. Voilà, je vais pas vous lire, en gros je dois tourner sur la droite pour aller sur la droite, tourner à gauche pour aller sur la gauche. J'aime beaucoup cette arène. Enfin là, cette étape là. C'est très marrant, j'aime bien. Alors. Je connais plus le trajet. L'autre sens. Oui, 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 l'autre sens. Voilà, ça revient même. Non, non. Par là-bas, voilà. Voilà, c'est bien. Bon, attention, premier. Ouais, si on va laisser comme ça. Parce que genre, en gros, si je m'appelle bien, le champion, il a Mimiki, il a l'évolution de Corailon, Ectoplasma en dernier, qui est Gigamax, et son premier, c'est tout à fait. Allez, on va changer. On va prendre Torgamore. J'aimerais bien avoir maintenant l'Arméléon pour avoir le trio dans l'équipe. Pour changer avec Torgamore. Parce qu'en vrai, le type Auge, je vais pas dire qu'il est waouh, magnifique, mais ça va, je m'attendais à pire en fait. Je trouve pas si moche que ça. Puis il est surtout super badass en fait. Ça lui a rien fait. C'est-il plante ou feu qu'il est, je sais plus. Spectre et plante. Ah mince. Ah, dans les souvenirs il était feu. Bon, ça va là, attaque Balgren là. Bon ben comme ça. Oh là, j'ai fail mais en beauté. Et du coup si il est type plante. Moche, moche, tous moches, ah. Non, franchement, ouais, ça va. Je m'attendais à pire. Après, je dis pas non plus qu'il est waouh. Loin de là. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux, je sais pas. Ça fait pas très, comment dire, ça fait pas super recherché en fait. Il est insecte. Il est pas insecte, si. Oh, je sais plus. Oh. Brocélam, toi non, je garde. Toi, je sais que t'es type plante. Par contre, ouais, la tortue elle a pris cher. Wow. Pitrouille, encore? On va garder. Il fait plus gros que l'autre, non? Je sais pas. Hop là, peser, emballer. Ah, c'est plutôt mon amour propre qui s'envole. Ah, dis-lui au revoir. Fais du signe comme ça. Équipe, toi je vais te soigner. C'est où? Rappel 13, ça j'en ai assez. Ouais, on va te donner un petit peu de potion quand même. C'est pas si méchant que ça. Voilà. Ah non, plan de spectre. Ouais, voilà, c'est plan de spectre. Et ouais, dans mes souvenirs, je le voyais type feu et spectre en fait. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, tant pis. Allez, encore. Allez, tourne, tourne. Oui. Google. Allez, deuxième.
Alors lui, je sais qu'il allait. Je sais plus s'il a Corayon. Non, lui, il a Corayon. Il a Corayon. Voilà. D'ailleurs, son évolution, je le trouve très stylé. Alors lui, je sais pas par contre. Il a quoi comme double type? C'est ça en fait le souci. Attends, je vais aller voir. Il a quoi comme double type? Corayon. Galar. Ah, il est juste spectre. Ok. Je pensais qu'il avait un double type. D'accord. Bah, lui, il va me l'éclater. Avec lequel je l'ai éclaté hier? Je sais même plus. Vas-y, on va essayer avec Torgamore. Corayon est moche. Corayou, sa forme Galar, je trouve pas ouf. Mais par contre, son évolution, je trouve stylée. Je trouve très stylée. Non, j'aurais dû faire morsure. Toujours faire morsure. Ah, de toute façon, je peux plus faire ton broche, donc comme ça. Bonjour à celui qui vient de rejoindre, comment vas-tu? Es-tu de ceux. Ah, j'ai réussi à parler. Es-tu de la team de ceux qui ne par... qui viennent mais qui ne parlent pas et qui s'en vont au bout de 2 minutes? Ah. Vas-y, moi, c'est qui suis là pour parler et tout, je me casse! Je veux que tu. Capture Mogren et tu l'appelles Gohan. Mais je sais pas, je verrai. Je sais même pas à quoi il ressemble ni à quel moment il s'attrape, j'en sais rien du tout. Ah, c'est pas par là. T'as, tu vois, il est parti. Je crois que j'ai vexé. Après, bon, bah là, il y a juste à laisser faire. Et voilà. Ok, c'est bon. Je... Ah non, il reste encore. Je croyais que je les avais tous faits. Attention, mouchage de nez. Ah. Que c'est appréciable, dites-moi dans les commentaires si vous aimez m'entendre me moucher. Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir si c'est appréciable d'entendre les gens se moucher. En vrai, de toute l'équipe que j'ai, le seul qui pourrait me sauver la vie, c'est lui avec son attaque morsure. Parce que les autres, ils vont se faire destroy en fait. Puis vu que lui, il tanque assez bien. C'est le seul qui pourrait me sauver la vie. Parce que les autres... Même ils tankent vachement bien. Gros drive. On va changer pour gros drive. On va prendre Salarsan. Je sais pas comment ça se dit, ça leur sent ou ça leur scène, je sais pas. Ah ouais, je préfère l'autre. Je préfère l'autre. On va faire étincelle. Oh, il va avoir mal. Oh, il va avoir mal. Ah, je m'attends à pire. Allez, là tu l'éclates. Tu l'éclates. Ah, il a pas le passif boom final. Ah, il va prendre toxique, oui. Gigotage. 40. Poison. Ah. Ouais, non. Bleuzeil. Bah d'abord. J'ai hâte de voir Bleuzeil évoluer. J'ai hâte d'avoir Corvaeus. Parce que je sais pas quel niveau il évolue.
Du coup, un pyro, tu vas move, tu vas move, tu vas move, tu vas move. Voilà. Alors, on va juste les soigner avant, parce que je suis pas fou. Voilà. Allez, on va tester quand même. Tant pis si je perds, on va au moins tester. Alors, soit il commence avec Mimiki, soit avec Tout à fait. Non, il commence avec Tout à fait, et après, c'est soit il envoie Corailion, soit Mimiki. C'est parti, on va l'éclater. On va l'éclater. Est-ce. Ah, t'es d'accord, on va l'éclater. Hein? Je suis Alistair. Bah attends-nous. Le mec très bavard. Ça, à mon avis, même c'est même pas un mec, à mon avis c'est une nana. Je sais pas. Alistair, bah non, Alistair c'est un nom de mec. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas, je vois bien une nana. Graham, ce nom anglais en français c'est Grimalin. Tu le trouves dans à bord de Motorby, pleine rocheuse, miroir du géant, pleine de Kickenheim et Red Dynamax. D'accord, il s'appelle Grimalin. Ok. Ça me dit rien. Peut-être que j'ai déjà vu, mais là comme ça me dit rien. On va commencer avec. Arrogance. Ça lui fait que dalle! On l'éclate large, allez. On l'éclate. Non, regarde. Ça, c'est son premier, il est niveau 34. Hein. Oh ça va, il encaisse bien. Oh ça va, je m'attendais à ce qu'il se fasse destroy. Allez, faudrait que je le tue au prochain coup. Faudrait que j'arrive à l'avoir là au prochain coup. Allez, tu peux y arriver. Yes. Corailium, ok, on change. Corailium. Ok, je compte sur toi. Regardez, stylé. Du coup, morsure. D'accord. Oh yes. Si ça se trouve, c'est l'attaque morsure qui va me sauver la vie. Bon, déjà il est KO. Ah. J'aurais aimé qu'il me fasse pas ça. Parce qu'après, ça va être tendu pour. Contracteur de plasma. Waouh, il a fait mal. Mimiki, ouais, on va changer. On va changer, on va changer. On va prendre. Ouais, on va prendre Salarsen. Quoi, non? Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? juste faire froid de Frimousse, comme ça j'ai électrocuté plus que un. Ouais, mais attends, le Mimiki est pas encore battu.
Ok, là on l'éclate. Elle fait mal son attaque tranche. Faudrait qu'il soit paralysé au moins un tour. Là le prochain faudrait qu'il soit paralysé. Ah il me l'a mis KO. Non. C'est bon, je le bats. Je le bats. Est-ce que j'en ai un avec la capacité Kuba? Attends. Non, ils ont même pas Kuba. Attends, lui. Il va me servir de d'appât. Le temps que je soigne du coup Torgamore. Du coup, lui, il va se faire exploser. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sac. Super potion. J'ai pas moi. Genre une bouteille. Ah si, là. 30, non. Ah oh, si, 30, c'est large. Ou pic toxique. Ouais, mais non, j'ai même pas. J'ai même pas. J'espère vraiment que Torgamore va réussir à tanker. S'il arrive à tanker, c'est bon. S'il arrive pas, je me fais éclater. Là, à mon avis, je pense que tout va se jouer sur Torgamore. Il fait tellement petit là, mon petit Slursen là à côté. Voilà, il y avait peu de chances qu'il résiste. C'est même pas Dynamax, c'est Gigamax. Allez. Tank-le, tank-le, tank-le. Il est niveau 36. Hein. Ouais, faut y croire. Je sais que hier, Sinistromax lui avait fait très mal. Ah, ça allait me toucher avant. Oh, je vais pas réussir à tanker. Il va pas tanker, il va pas tanker. Il reste encore un tour. Oh, vas-y, si, je sais. Je vais soigner. Faut que je soigne. Je vais soigner, faut juste pas qu'il fasse un... Faut juste pas qu'il fasse un comment. Ah mince, un coup bas ou un coup critique. Faut pas qu'il fasse coup critique, sinon c'est foutu. Ok, c'est bon. C'est bon, maintenant on le destroy. On le destroy maintenant. La chance. La chance. La grosse, grosse chance. Ouais, si j'avais pas eu Torgamore, c'était foutu. Hein. C'était foutu, foutu. Ouah, wow, quelle force. Tiens, le badge spectre. Ta-da, quatrième. Coup dur pour Guillaume. Boum. Ah là là, va te laisser relever. Va te laisser relever après cette écrasante défaite. Si tu as gagné contre Alistair. Toutes mes félicitations, tu as bien mérité cet été. Je
Je demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci, merci. Merci, merci, merci. Uniforme spectre. On va les soigner. Je t'ai dit, on l'éclate large. Large. Eh. Grâce à Torgamor, quand même. S'il était pas là. Vol toutou. Sonia. La belle Sonia. Je crois que mon vol toutou t'apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour voir la fameuse fresque d'Olchester. On dit qu'elle relate l'histoire du Galar de... du héros de Galar. Ça pourrait m'aider dans mes recherches, mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originelle. En général, tu as le don pour mettre le doigt sur les détails intéressants, donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Bon. Attendez, je me bouche. Tu reçois les messages un peu beaucoup, même en retard. Peut-être qu'il y a un petit décalage. Ouais. Encore non, le décalage n'est pas super long. Enfin, il n'y a pas un super gros décalage, non, ça va. C'est moi qui mets du temps à regarder, en fait. Donc c'est moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de décalage, c'est moi. C'est quoi ça? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque. Que se passe-t-il? Allons voir, viens, vol tout. Et ben vous savez quoi, les gens? Pour ceux qui regardent YouTube, la vidéo s'arrête là, tout de suite, là, clap!